Tiens, j'ai un petit trousseau. Voilà, c'est un projet que nous venons de réaliser, hein, qui a été financé par Ariel Glaser pour bien sûr l'institution hospitalière INSP d'Adjamé. Voilà. Donc je fais cette brève vidéo pour vous montrer un peu l'état des lieux. La réception était déjà faite. C'est un chef-d'œuvre, hein, comme vous pouvez le constater sur ces vidéos, sur ces images. Voilà. Votre papier. Miroir, une glace, un lave-main sophistiqué dernière génération, un WC Montana qualité supérieure et puis une corbeille. Voilà, vous voyez la finition. Ça, c'est le travail de Triomphe Service Côte d'Ivoire. Voilà. Très bientôt, nous allons commencer à faire une publicité géante. Voilà, super. Là, je passe à la salle de réunion, la grande salle de réunion qui va prendre en moyenne 70 personnes, tout équipé avec voilà, deux splits à l'intérieur, les néons. Voilà, je vous montre encore l'autocollant de Ariel Glaser. Voilà, pour vous dire que c'est pas du jeu, c'est vraiment du sérieux. Je travaille là présentement avec des institutions internationales. Nous sommes en train de monter un projet avec le PNUD actuellement à leur siège. Ce sera un gros chef-d'œuvre. Je vais vous faire une prochaine vidéo dans ce sens et vous verrez un peu le savoir-faire des Triomphe Immobilier. Voilà, je vous montre la salle. Ça, c'est la grande salle de réunion. Hein. Voilà. C'est un projet financé par Ariel Glaser, mais pour le compte de l'INSP Adjamé, Institut National de la santé publique à Adjamé. Voilà, donc voilà quelques images. On fait un grand plan tout à l'heure de tout l'édifice qui a été bâti. C'est en moyenne 6 conteneurs avec des cloisons, des séparations, toilettes, salle de bureau et salle de réunion. Salle de réunion, voilà un grand plan de l'extérieur, toilette. Voilà. Ouais. Et moi, c'est ce qui serait intéressant, c'est. Je vous fais une vidéo. Attends, je suis en direct. Je viens tout à l'heure. Je vous donne un aperçu de l'extérieur. Voilà. Regardez la finition, hein, impeccable, avec des plots, voilà, des plots superbement installés, voilà. Je vous montre l'extérieur de tout l'édifice. Ça, c'est deux conteneurs 20 pieds,
Le premier, 20 pieds. Le second, 20 pieds. Avec une séparation, bien sûr, pour des toilettes. Voilà, vous voyez là, la fenêtre qui est là. C'est la fenêtre de toilette. Voilà. Deuxième bâtiment. De 20 pieds également. Je signale que les 20 pieds, c'est des conteneurs de 6 mètres de long sur 2,50 mètres de largeur sur 2,50 mètres de hauteur. Ça, c'est un autre conteneur de 20 pieds pour le second bâtiment. Voilà. Également, un autre conteneur de 20 pieds. Voilà. Donc, ça, c'est le second bâtiment. Toujours posé sur des plots de dimension standard 25 cm sur 25 cm en béton armé. Je vous dis béton armé. Voilà. Et ça, c'est le troisième bâtiment. Toujours deux conteneurs de 20 pieds cloisonnés pour la salle de réunion avec une salle de toilette. Voilà. Super. C'est le tout de l'édifice que je voudrais vous présenter aujourd'hui, réalisé par Triumph Service Côte d'Ivoire, spécialiste en aménagement, construction métallique et pose de conteneurs. Voilà. Merci, votre serviteur, Rodolphe Amouzou. Voilà, super. Ok.